Greetings. Ezemo. Salut. Ezemo. Greetings, the great warrior. What brought you out of your house this afternoon? Why are you supposed to be preparing for the war? Ezemo. Salut les grands guerriers. Qu'est-ce qui t'a fait sortir de chez toi ce matin? Tu étais censé te préparer pour la guerre. Ezemon, quand la demeure de l'homme devient trop chaude pour lui, il commencera par chercher un endroit plus froid pour reposer sa tête. Quand le serpent monte sur le toit, c'est de la folie pour l'homme de toujours rester sous ce toit sans rien faire. Il fait quand te batanon nunte, c'est que le criquet a reçu une visite qui lui est désagréable. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas pourquoi les dieux sont silencieux quand la calamité s'abat sur notre communauté. Donc a dit que la parole des dieux est différente de celle des hommes. Ezemo, es-tu au courant que la prêtresse Adora a trouvé une solution à la calamité qui s'est emparée de la communauté? Vraiment? Et c'est quoi la solution? Elle a dit qu'Ijoma, la fille de Ozo Ezigo, voyagerait dans le monde des esprits dans le but de renverser dont souffre cette communauté. Et ça, je l'ai trouvé très très inconfortable. Ezemo, je ne suis pas d'accord. Okadike, si la prêtresse, qui est les yeux de Dieu, dit qu'elle a trouvé une solution, alors nous devons suivre ce qu'elle dit. Ezemo, la prêtresse peut être l'œil des dieux, mais toi, tu es la bouche des dieux. Écoute, tu ne peux pas nous laisser nous vautrer dans le noir. Tu dois avoir quelque chose à dire, s'il te plaît. Okadike, rentre chez toi. Laisse-moi rendre l'eau propre pour qu'on voit ce qui est à l'intérieur. S'il te plaît, Ezemo, s'il te plaît. Je t'en prie, s'il te plaît. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Écoute, tu es la bouche des dieux et je crois vraiment à ton jugement. Je sais que tu as quelque chose à dire, s'il te plaît. Peux-tu toi-même consulter les dieux pour savoir ce qu'ils disent de cette calamité, s'il te plaît? Okadike, tu sais que Umudike doit une chèvre aux dieux? Et pour ça, les dieux sont devenus aveugles pour le problème. Ok, pas de problème. Dès que je quitte ici, je vais t'envoyer deux chèvres. Ouais, pour apaiser les dieux afin qu'ils disent quelque chose au sujet de cette calamité. Odogu! Okadike Odogu, dis-moi non, oui. Lève-toi. Lève-toi. J'ai toujours su que tu as le cœur de ton père, le grand guerrier de notre royaume. Ne t'inquiète pas, je vais consulter les dieux pour toi. Quoi? Dike. La malédiction dans le royaume d'Umudike ne provient pas des dieux. Je ne comprends pas. Que fait-elle ici? Elle? C'est qui ça, Ezemo? La prêtresse de la guerre elle-même. Elle a soudainement apparu ici. Okadike, la malédiction derrière le royaume d'Umudike ne provient pas des dieux. Je peux voir un complot. Je peux voir la main du singe dans la soupe. La main du singe est dans la soupe. Et elle doit être retirée avant qu'il ne devienne le tour d'un homme. Adewe Braken, when all fair,
Tu peux arranger comme madre. Aisez-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que nous allons faire, hein? Qu'est-ce que... Ce sort vient de la prêtresse du mal de Zelus. Quoi? La prêtresse? Prêtresse? Il y a un complot. Complot. Conspiration. Conspiration. Comment est-ce que quelqu'un peut aller dans le monde des esprits et revenir vivant? Qui est même qualifié pour faire ça? Quelque chose cloche quelque part. Définitivement, ce n'est pas Idioma. Idioma n'est qu'une enfant, elle ne connaît rien. Non. Ouais, Idioma. Salut, Okadike. Idioma est dans la maison de son père. Et qu'est-ce que tu fais ici? Bien, je suis venu te donner un message de la part de Osezibo. Quel est le message? Il ne me l'a pas dévoilé. Ibeko, je t'ai donné une instruction sur ce qu'il faut faire. Osezibo s'occupe de la responsabilité que tu nous avais donnée. Et je suis venu juste te transmettre le message et je vais rentrer. Message transmis, Ibekwe. Retourne à ce que je t'ai dit de faire et ne quitte plus jamais là-bas. Okadike, tu veux dire qu'il y a une conspiration dans tout ce qui se passe? Ouais. La terre de Umudike n'est plus en sécurité. Je perçois un complot. Salut. Notre feu leader, Ozon Konko, n'est pas mort naturellement. Quelque chose cloche quelque part. Je crois que je suis d'accord avec toi. Parce que je me rappelle t'avoir entendu dire un truc de ce genre avant. Mais laisse-moi te dire ceci. Il faudra que tu sois très prudent avec Ozo et Zigbo. Son humeur à ton sujet parle d'une autre histoire. Je le sais. Ouais, je le sais. Je le sais, je le sais. J'ai compris. Oh! On me dit que la terre de mes aïeux. Hey! Que le Dieu soit loué. Okadike dit vrai. Je le disais, je n'ai jamais cru au message de la prêtresse. Mais né, pourquoi est-ce que la prêtresse veut seulement que moi j'aille là-bas? Si les dieux ne l'ont pas dit, pourquoi? Qu'est-ce que tu sais? Mais si c'est alors vrai, je vais perdre mes chances de vivre. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Mais je pose une très bonne question. Le leader des femmes m'a demandé de passer pour la fortification. Dit qu'elle m'a interdit de partir. Et toi aussi tu l'acceptes. Mais pourquoi?
Nem. Remercie le Dieu parce que tu as un nom, comme Dike, qui lit à travers les lignes. Et vous, prêtresse! Prêtresse! Je ne vais plus croire en cette femme. Plus jamais. Je suis confuse. Ne le sois pas. La vérité a déjà éclaté. Hey! Prêtresse! Pourquoi tu veux tuer ma fille? Onzo, j'ai pas compris ce que tu es en train de dire. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Tu comprendras bientôt. Garde! Garde! Tu me dis que tu ne sais pas de quoi je parle, non. Tu vas comprendre. Donc, Ozo, tu as appelé tes gardes pour m'attaquer? Tu n'as rien vu encore. Tu n'as rien vu. Comme je ne veux pas que tu épouses ma fille, tu as comploté avec la prêtresse pour prendre la vie de ma fille dans le pays des esprits. Ozo, je suis désolé. Avec tout respect, je ne peux pas attendre ici. Parce que ce que tu dis n'est pas vrai. Désolé. Ok, ok, ok. Ce que tu dis est que je dis des bêtises. C'est ce que tu dis? Garde, attaque-le. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Tu veux m'attaquer? Tu veux attaquer ton futur roi? Hein? Ton futur roi. Ok, vas-y, attaque-moi. Vas-y, attaque-moi. 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 Toi, tu es un imbécile. Ozo. Tais-toi. Avec ta forme-là, tu n'as rien dans tes os. Ta forme n'est que futilité. Regarde-moi ça. Tu n'es rien d'autre qu'une légume fanée. Avec toute ta forme-là, tu ne peux pas le battre. Ozo, je pense qu'il a des pouvoirs. Que ce pouvoir te tue là-bas. Tu n'es pas honte de ce que tu dis. Tu n'es pas honte de ce que tu dis. Tu me parles de pouvoir. Idiot. Imbécile. Laissez-moi! Quoi? C'est quoi son problème? Je n'en sais rien. Sommes-nous responsables de ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce que j'en sais? Où est cette fille? Où est cette fille? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle se trouve? Ijoma! 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 As-tu vu l'homme que tu veux épouser? As-tu vu le bon à rien de garçon que tu veux épouser? Un homme qui veut me tuer avec son épée. Un homme qui veut me tuer avec son épée. C'est l'homme que tu veux épouser. Nai, c'est pas ce à quoi tu penses. Non, qu'est-ce que tu veux que je pense? Qu'est-ce que tu veux que je pense? Et tu me dis que c'est pas ce que je pense. Ce garçon voulait me tuer. Il voulait me tuer avec son épée. Juste parce que je lui ai dit la vérité face à face. Qu'il a planifié avec la prêtresse pour tuer ma fille. Et voilà, il voulait me tuer. Papa, d'où est-ce que ça provient? Dis qu'il ne peut pas faire ça, papa. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Oh, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Si tu dis encore un mot ou quelque chose concernant ou défendre Dike ou quoi que ce soit, hein, je te jure, tu verras ce que je vais te faire. Bêtise. Nai, c'est pas du tout ce que tu crois. Arrête de dire ça. Dike a personnellement demandé à Ijoma de ne pas se rendre à la terre des esprits. Elle est présente, démontre-lui. Une histoire a dormi debout. Une histoire a dormi debout. Devant qui vous racontez cela? Devant qui, dites-moi? Je suis un imbécile pour vous, n'est-ce pas? Papa, s'il te plaît, papa, c'est la vérité. Dis qu'il ne veut pas que je parte à ce voyage. Je devais aller voir le leader des femmes aujourd'hui pour la fornification, mais il dit qu'il a refusé que je parte, papa. Papa, s'il te plaît. Papa, pourquoi tu détestes Dike comme ça, papa? Pourquoi? Ne me provoque pas. Tu comprends ce que je dis? Donc après tous mes avertissements, tu t'agenouilles devant moi pour me raconter des bêtises? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, exactement? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Non. Papa! Non. Laisse-moi t'attraper. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est pas en s'équirelant qu'on résout le bêtises. Problème. Bêtises! Je me bats pour ta vie, tu me racontes des conneries. As-tu perdu la tête?
On dirait que ta tête ne fonctionne plus. Je ne comprends plus cette maison. Tu me demandes ça? Tu es vraiment stupide. Tu es celui qui soutient ce mal. Tu es celui qui soutient ce mal. Adogisien ici, tu n'es rien d'autre qu'une mauvaise mère. Iba John. Moi? Oui, c'est ce que tu es. Toi, écoute-moi. Je t'avertis chaque jour, mais tu refuses toujours de m'écouter. Tout ce que je te dis, tu ne m'écoutes pas, non. Parce que tu es têtu. Ce qui est sûr, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi dans cette hutte, il n'y a que des problèmes? J'en peux plus! Ijoma! Complot. Conspiration. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, c'est si beau. Salut Okadike. Salut Okadike. Tu as l'air inquiet. Emporte deux chèvres à Ezemon. Il en a besoin pour un sacrifice. Je le fais immédiatement. Okadike, beaucoup de gens meurent jour après jour. Où Sophia et ses enfants sont morts ce matin. Et hier la nuit, plus de 10 personnes ont perdu la vie. Des cadavres partout. Dans des fermes. Auprès des rivières. Beaucoup de... C'est assez. Ça va. Arrête de me parler. La situation difficile de mon peuple. Arrête, s'il te plaît. Omodike! La terre de mes aïeux. Pourquoi? Ozo Ezebo, what I don't understand is why your daughter has not heed to the instruction of the priestess and go to the land of the... Ozo Ezebo, ce que je ne comprends pas est pourquoi ta fille n'a pas respecté les instructions de la prêtresse et aller dans la terre des esprits. Attends-tu que nous mourions tous avant que tu comprennes la quintessence de ce problème? Ichiebe. Ichiebe. C'est ça mon nom. Surveille ton langage. Je ne ferai pas attention à mes mots. Je dirai les choses telles qu'elles sont. Voilà ton problème. Tu parles n'importe comment. Des paroles ni queue ni tête. Continue de parler. Tu peux parler maintenant. Jusqu'à la semaine prochaine. Ça ne va pas me secouer. Ça ne me secouera jamais. Oui. Personne ne me poussera à envoyer ma fille à sa mort. Jamais personne ne me poussera à le faire. Personne ne peut pas le faire. Jusqu'à ce que je suis sûr de faire ça. Je ne comprends pas tellement ton point de vue. Comment peux-tu dire une telle chose? Comment peux-tu ouvrir ta bouche, un leader que tu es, et prononcer de telles phrases? Beaucoup de gens meurent chaque jour dans ce royaume et tu ne veux pas faire le nécessaire. Pourquoi? Ichiebe, tu as dépassé la durée de ton accueil. Maintenant, tu peux partir. Es-tu en quelque sorte en train de me chasser de ton hutte? Ichiebe, as-tu perdu la tête? Ici, c'est chez moi et cette maison m'appartient. Mais as-tu oublié ta maison? Ici, ce n'est pas chez toi. Je veux que tu quittes maintenant. Quitte maintenant. Ne me force pas à faire ce que tu n'aimeras pas. Quitte maintenant. Ozo Ezebo, je m'en irai. Mais je ne cesserai de te dire la vérité. Ta fille doit obéir à l'instruction de la prêtresse. C'est cette instruction qui va te tuer. Quitte ma maison. Du quoi, Zé? Cette instruction va te tuer.
Je parle et tu me dis quoi au juste? Que quoi? Je crois. Toutes les personnes qui se complotent contre ma fille, le jour viendra, elles se dévoileront toutes. Je crois. Vas-y, sors d'ici. Je crois. Sors d'ici. Que quoi? On te dit quelque chose de sérieux, tu me racontes des bêtises. De n'importe quoi. Parlant n'importe comment. Tu me prends pour qui au juste? Je suis le chef et je décide ce qui est bien pour moi. Et il n'y a que moi qui dis ce que je veux. Moi, je te parle, tu cherches à me défier. Tu te prends pour qui même? Donc que je laisse ma fille aller se faire tuer. Ma seule et unique fille, c'est elle que vous voulez sacrifier. Vous allez marcher sur mon cadavre alors. Parce que si Mahomet ne va pas à la montagne viendra à Mahomet. Ça, c'est le deuxième et dernier avertissement. Il y a une malédiction sur cette terre. Il y a une malédiction sur cette terre. Et l'abomination a été commise dans cette terre de Oumoudikié. Le dieu de Banzoa et la déesse de la guerre est en colère contre le peuple de cette terre. Il y aura encore plus de morts, plus de misère. Le peuple va souffrir. La maladie va se répandre davantage jusqu'à ce que la fille de Isebo, Idioma, va aller dans la terre des esprits pour enlever la malédiction qui détruit cette terre. Et quand elle ira dans la terre des esprits à sa rentrée, elle va devenir la femme la plus puissante de ce royaume. Moi, Adora, la déesse de la guerre, j'ai dit, ainsi cela doit s'accomplir. Je pense qu'il est temps pour nous de remédier à cette malédiction jetée sur notre terre. Permets à ta fille d'aller cette forêt diabolique pour qu'elle retire cette malédiction qui est sur nous. Elle ne fait que répéter ça à tout moment qu'elle vient ici. Pourquoi? S'il te plaît. Avertir. Tes plans sournois contre la volonté de Dieu me sont révélés. Je te prie pour la dernière fois de désister de cette affaire. Sinon quoi? N'ose pas me contredire, Opadike. N'essaie pas. Idioma, la fille de Ozo Izibo est choisie. Personne ne peut l'arrêter. Oh. Écoute, prêtresse, pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi tu fais ça? Es-tu en train de me demander ou tu demandes au Dieu? Je n'ai rien à faire avec les dieux. C'est à toi que je demande. Moi non plus, je n'ai rien à faire avec toi. Ce sont les dieux qui l'ont... Alors dis au Dieu d'inverser la décision. Ouais. Je veux aller dans le monde des esprits. Je suis un guerrier. Idioma n'a aucune idée de la guerre. Je suis un guerrier. Tu dois sauver mon peuple. Dis-leur de me mettre à sa place. Qui es-tu pour dicter les dieux? Qui es-tu? Aisez-moi la bouche des dieux. Pourquoi ne voit-il pas dans la même direction que toi? Pourquoi? Si ce que tu dis est vrai, pourquoi ne voit-il pas dans la même direction que toi?
Fumodi came. Gods of our forefathers. Umudike is a land of peace. A land of war. Le Dieu d'Omudike. Le Dieu de nos ancêtres. Umudike est une terre de paix. Une terre de guerriers. Une terre avec beaucoup de ressources naturelles. Pourquoi vivons-nous ceci? Nous voulons que la paix rentre dans notre royaume. Nous voulons un bon jugement. Que les méchants soient jugés. Qu'ils soient punis comme jamais auparavant. Pour qu'ils laissent cette terre en paix. Qu'ils dégagent. Of the gods to my abode. It's a bright day that brings out a poisonous snake. Que fait l'œil de Dieu dans mon sanctuaire? C'est un jour luisant qui engendre le poison du serpent. Je ne comprends pas. Qui est le jour luisant, qui est le poison du serpent? Aisez-moi. Prends soin de compter tes pas. Tu es le jour luisant. Et moi, je suis le poison du serpent. Tu cherches ma mort? Hein? Tu cherches ma mort, Aisémon? Comment oses-tu? Oh! Donc c'est toi qui es derrière tout ça. C'est toi qui traumatises cette communauté avec la maladie et la mort. Maintenant, laisse-moi te dire, toi, serpent maléfique. Dégage avant que tu ne regrettes ta présence ici.
as aucune idée de celle qui est devant toi. Oh! On t'a dit que hey, Adini. The priestess exorcist. Hey! Oh, le grand maître. Odogu! Les exagérations de la prêtresse deviennent insupportables. Elle doit être avertie. Ouais. Ezemon doit faire quelque chose à ce sujet. Ouais, il doit faire quelque chose. Il faut qu'on agisse très vite pour sauver la situation de peur qu'elle devienne pire. Et Ezemon doit agir très vite. Quelque chose doit être fait à propos. Guerrier, allons-y. La terre des esprits pour sauver celle-ci. Tu es celle qui est choisie pour apaiser les dieux, pour tempérer la justice et miséricorde, enfin d'arrêter la calamité qui détruit cette terre. Sinon, la ruine va envahir cette terre, particulièrement ta famille. Papa, papa, tu m'as appelé? Oui, ma fille, assieds-toi. D'accord, merci. Tu as entendu ce que la prêtresse a dit? Oui, papa. Tu dois être prête. Prépare-toi. Demain, aux premières heures, tu iras dans le monde des esprits. Les guerriers vont t'accompagner. Les guerriers? Oui, les guerriers. Je les ai informés. Papa, Dike ne m'a rien dit à propos. Dike, va te le dire. Ce vagabond qui veut te voir mourir. Papa, Dike n'est pas vagabond. Il ne cherche pas ma mort. Papa, je dois voir le leader des femmes avant d'aller à la terre des esprits. Je dois passer la fornication, papa. Je dois la voir. C'est-à-dire? C'est la pure vérité, Naï. Si ma fille doit se rendre là-bas, alors elle doit être fortifiée. Écoute, je veux que ma fille me revienne. En vie! Idioma, ma fille. Les dieux qui t'ont choisi pour aller délivrer cette communauté sont ceux qui détiennent la vie. Ils sont les détenteurs de la vie. Les dieux! Qui t'ont choisi d'aller là-bas doivent avoir un moyen de te protéger. Comme la prêtresse l'a dit, que personne d'autre ne peut aller dans ce monde des esprits et rentrer vivant, sauf toi. Tu devrais savoir ça. Papa, peu importe, je dois voir le leader de femmes pour la fornification. Elle m'avait demandé d'aller, oui. Alors, pourquoi tu ne l'as pas vu avant maintenant? Dis qu'il m'avait dit de ne pas partir. Quoi? Dis que... T'as dit quoi? Dis que... T'as dit quoi?
C'est quoi, Nai? Tike. Tike. Donc, c'est ça. Tu es toujours derrière mon Tike. Tike. Ezemo, qu'est-ce qui s'est passé? Ezemo, Ezemo, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui a fait ça? Qui t'a fait ça? Ezemo, s'il te plaît. Ouais, parle, Ezemo. Où est-ce moi? Qui t'a fait ça? Hein? Remercions le Dieu, vous êtes là. Ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé? Parle-moi. Parle-moi, s'il te plaît. Parle-moi. La prêtresse de la guerre. Quoi? Dis que. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle est derrière tous les malheurs de notre peuple. La prêtresse de la guerre est le diable en personne. Elle utilise le pouvoir maléfique de la prêtresse Zels. Quoi? Prêtresse Zels? Elle est derrière toutes les calamités. Attends, non, Ezemo, parle! Non, parle! Parle-moi, Ezemo, parle! Non! Ezemo, parle! Non. Ezemo! Non! 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 Ezemo! Ezemo, tu ne peux pas mourir! Non! 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 Prêtresse de la guerre! Prêtresse! Prêtresse Adora! Il ne devrait pas mourir! Ijoma! 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 Papa! Nai, tu m'as appelé? Oui, je t'ai appelé. Comme? Je te le disais, que ce que un vieux comme moi a vu assis, même si tu grimpes sur le plus haut arbre d'Iroko, tu ne le verras pas. Tu ne le verras jamais. Nai, tu parles en parabole. Oui, je parle en parabole, parce que la situation, la condition l'exige. Je veux que tu saches que ce Dike, ce garçon, te déteste avec passion. Oui. Il n'a jamais voulu que tu sois fortifié. Comme ça, quand tu arriveras dans le monde des esprits, tu mourras là-bas. Ce gars ne veut pas que tu deviennes la plus célèbre femme de cette communauté comme les dieux l'ont décrété. Quel est ce genre de méchanceté? Non. Non, papa. Dis qu'il ne peut pas vouloir ma mort. Non, papa. Laisse-moi te dire ceci. Ça ne marchera pas. Ça ne va jamais marcher. Je vais m'assurer que tu sois fortifié. Et tu iras. Et tu reviendras victorieuse. Ouais, moi, Osezibo, j'ai parlé ainsi. Vous me prenez pour qui? Moi, en tant qu'un grand Odogu? J'ai fini de parler avec toi.
Ichebe. Ozo. Tu es le bienvenu, assieds-toi. Non, je préfère te le dire étant debout. Pourquoi? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Heuchim. Tigo quoi? Heuchim. Que s'est-il passé? Aroué, mais... Mais que s'est-il passé? Un grand baobab est tombé. Lequel des grands Iroko? Lequel des grands Iroko? Heuchim. Ezemo est mort. Quoi? Quoi? Il a été retrouvé mort au sanctuaire. Qu'est-ce qu'il a tué? Qu'est-ce qu'il a tué? Personne n'en sait rien. Hein? Odoguana! Hey, okay. Aloueme! Aloueme! Aïe! Hey! Aïe! Obudika Aloueme! Aïe! Anya Diapuzo! Anya Diapuzo! Omudike! Hey! Hey! Odoguana! Hey! Aloueme! Hey! Ezemo! Ezemo, dis-moi que ce n'est pas vrai! Ezemo, juste comme ça? Hey! La mort, tu es stupide! Tu es bête! Aïe! Hey! Aïe! Oh mon Dieu! Et qu'allons-nous faire pour retracer cette malédiction, sage? Il y a le mal dans la terre d'Obed Okadike. La terre d'Omudike sera en ruine si rien ne fait à propos. Et si la mauvaise personne se rend à la terre des esprits, cette personne ne survivra pas. Et il y aura plus de calamités dans la terre d'Omudike. Le mal va planer partout dans la terre d'Omudike. Et il y aura des cadavres par-ci, par-là. Ah, Noma, la sage, s'il te plaît, j'aimerais demander. Cette personne qui doit aller dans le monde des esprits, est-elle un homme ou une femme? Okadike, le dieu sont silencieux. Je ne sais quoi dire. Tout ce que j'entends, c'est ce que je dis. Rien n'est comparable à la fureur d'une femme dont ses avances sont rejetées par un mortel. C'est ce que j'ai entendu. Ça, je n'ai pas compris. Okadike, utilise ta langue pour compter tes dents. Tu peux partir, Okadike. Pars! D'accord. Merci, sage. To understand that statement, Ibewe. Ezemo said that to me too. What does it mean? Do you know the meaning? I don't understand. Je ne sais pas ce que cela signifie, Ibewe. Ezemo m'a aussi dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Connais-tu la signification? Moi non plus, je ne comprends pas. Mais... Il y a un vieillard qui est juste à côté de la rivière qui peut bien interpréter ces phrases. Es-tu sûr? Oui, Okadike. Okanigwe peut très bien interpréter ces phrases. Okanigwe. Oh. S'il te plaît, amène-moi chez ces Okanigwe. Allons-y. Allons-y. Dit que the servants of the gods are not ordinary. Dit que Okanigwe. Le silence des dieux n'est pas ordinaire. Le problème est autour de toi. Il y a un complot dans le royaume de ta naissance
Ils sont derrière toi et la terre que tu aimes beaucoup. C'est à cause de toi que toutes ces choses arrivent. À cause de moi? Oui. Tu es le centre de l'attention. Bike Oganigwe. Elle t'aime tellement au point de tuer pour toi. Mais tu ne l'as jamais su. Elle en a après toi et non le village. Oganigwe, s'il te plaît, qui est cette personne? Dit que le fils de Ajadere utilise ta langue pour compter tes dents. Parce que les voix des dieux ne sont pas celles des mortels. Gods of our land, how can things continue like that? Le Dieu de nos ancêtres, pourquoi les choses continuent comme ça? Que puis-je faire pour y mettre fin? Tu es le centre de l'attention. Bike Oganigwe. Elle t'aime tellement au point de tuer pour toi. Rien n'est comparable à la fureur d'une femme dont ses avances sont rejetées par un mortel. Je fais quelque chose très vite. Les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Non, les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Je dois faire quelque chose. Je dois porter la paix dans cette communauté à tout prix. Ouais, c'est ma responsabilité. Guys, leave us. Leave us. Oh, Omar. Hey. What's up? Mes gardes, laissez-nous. Laissez-nous. Omar. Hey. What's up? Omar. Salut. Hey, salutations, Omar. Je suis désolé de... Tu sais, de t'avoir fait attendre. Je suis désolé, tu sais, j'étais occupé avec certaines consultations. Parce que ma fille, ma précieuse fille, doit aller dans le monde des esprits et revenir. Ozo, la raison pour laquelle je suis venu est de te demander si ce voyage est vraiment nécessaire. Hein? Pourquoi est-ce que ma femme serait celle qui devrait aller sur la terre des esprits, alors qu'il y a des hommes maléfiques dans ce village? Pourquoi prendre une fille comme elle? Pourquoi? Non, tu as bien parlé en tant qu'un humain. Tu as bien parlé en tant qu'un humain. Mais tu sais, les choses des esprits sont totalement différentes. Hein? Tu sais, les voix des dieux sont différentes.
Nous, nous sommes des mortels et on ne peut pas les mettre en question. Quel dieu, Ozo? Hein? Quel doucement, dieu? Doucement. Je m'en fous. Quel dieu acceptera une telle merde? Que ma femme bien-aimée s'embarque dans un tel dangereux voyage. Je n'aurais jamais deviné. S'il te plaît. S'il te plaît, tu peux dire une autre chose. Mais ne parle pas des dieux comme ça. S'il te plaît, ne le fais pas. Tout ce que je veux que tu fasses maintenant, oublions ceci. Cette discussion, hein? Oublions ça. Juste comprends ceci, je te rassure. Ta femme, ma fille, ira dans le monde des esprits et reviendra sans aucun problème. Les dieux ne vont jamais me décevoir. Ozo, je veux aller avec ma femme maintenant. Je veux aller avec Ijoma maintenant. Oh, c'est comme tu ne comprends pas la situation qui prévaut dans ce royaume en ce moment. Ozo, qu'y a-t-il à comprendre là-dedans? Qu'y a-t-il à comprendre? N'ai-je pas essayé, Ozo? N'ai-je pas? Oui, oui, tu as essayé. Je t'ai donné tout ce que tu m'avais demandé. Maintenant, je veux aller avec ma femme. Est-ce trop demandé? S'il te plaît. Bikokanayo, s'il te plaît. Je veux que tu prennes en compte ce que je dis. Je veux ma femme. J'ai payé beaucoup de choses pour elle et je la veux. J'en ai marre de devoir te considérer. J'ai perdu ma patience. Je sais combien j'ai investi en toi ainsi qu'en ta famille. Je veux amener ma femme chez moi maintenant. Sinon... Sinon comment? Sinon comment? Sinon, le village aura une histoire à raconter. Je ne mâche pas les mots. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Ouoma. Ouoma, calme-toi. C'est arrivé jusque-là. Ozo, c'en est arrivé à tout et à n'importe quoi. Je m'en fous. Ok? Je m'en fous. Maintenant, je souhaite prendre celle pour qui j'ai beaucoup dépensé. Sinon, tu vas le regretter toute ta vie. Pourquoi tu ne veux pas me comprendre? Ozo, avant que le soleil ne se couche, je veux voir Ijoma dans ma hutte. Hey. Qu'est-ce qui se passe? Dans quoi je me suis mis? Dans quel pétrin je me suis mis comme ça? Dois-je désobéir les dieux? Juste à cause de ça. Dois-je désobéir les dieux? Hey! C'est l'argent qui m'a mis dans ce problème. C'est l'argent qui m'a mis dans ce problème, hein? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Hey! Regardez ce monsieur. Donc c'est comme ça. Quand il s'agit de l'argent, les gens peuvent être méchants. Hein? Donc c'est comme ça que l'argent change les gens? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Dites-moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je n'ai même pas de l'argent pour le rembourser. Hein? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Hein? Hey! Je suis confus, je ne sais plus quoi faire. Hein? Women leader! Women leader! Hola, hola. Women leader! Ah! Greatest leader of our land! Please, Ijoma. Leader des femmes. Leader des femmes. Appelle-la, appelle-la. Leader des femmes. Salutations au leader de notre terre. Je vous en prie, prenez place. Merci. Oh, mets-toi. Oh, et c'est où? On n'a pas besoin de s'asseoir. Restons debout pour discuter de ce sujet. Tu sais, j'ai un dibia vraiment capable. Un dibia très fort. On dit souvent qu'au grand mot, il faut les grands remèdes. Tu comprends? Je sais qu'il est capable de faire tout genre de charme dont j'ai besoin pour ma fille, pour la fortification. Je sais qu'il peut le faire. Mais le problème que j'ai, c'est que ma fille insiste que c'est toi qui dois la fortifier. J'ai tout fait, mais elle dit que c'est toi qui dois la fortifier. J'ai dit, ok, si tu dois être celui qui va fortifier ma fille, alors tout ce dont tu as besoin est de me garantir, de me promettre que rien ne lui arrivera. Et tu peux aller de l'avant et la fortifier. Ozo,
Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Je ne suis pas l'œil de Dieu. Encore moins la bouche de Dieu. Tu l'écoutes? Je suis juste une guérisseuse. J'utilise ceci pour faire des médicaments très puissants. C'est tout ce que je sais. Tu l'écoutes? Alors je ne saurais pas vous garantir ton retour. Magnifique. J'aime les gens qui reconnaissent leurs capacités et ce qu'ils peuvent faire. Idioma, est-ce que tu l'as entendu? Tu as entendu ce qu'elle a dit? Papa, s'il te plaît. Elle te parle de sa capacité, ce qu'elle peut faire. Papa, s'il te plaît, calme-toi. Elle dit qu'elle ne peut pas me donner la garantie dont j'avais besoin. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu lui fais beaucoup de pression. Pression ou pas pression, je suis très très clair et elle a tout compris. Donc, tu veux y aller sans aucune garantie. Hein? Tu penses que tu vas me perdre pour rien? C'est ça? Quittons d'ici. Papa, s'il te plaît. Je dis qu'elle ne va rien te faire. Allons-y. Hein? Papa, regarde-moi s'il te plaît, ça. Qui toi tu veux perdre? Allons-y. Elle dit qu'elle n'a aucune garantie. Tu veux quoi? Ok, si. Ok, dis bien. Tu sais, comme je l'ai dit, je continue de le dire. S'il te plaît, la seule chose dont j'avais besoin de toi est de voir ma fille aller dans le monde des esprits et de revenir vivante. C'est tout ce dont j'ai besoin. C'est tout ce dont j'ai besoin, s'il te plaît. Awan Kayeme Simea, je veux qu'elle aille et revienne saine et sauve. On a un niveau. Je suis Oko Sisi, le grand Dibia. Je le sais déjà. Je t'ai donné ma parole. Ou soit, t'ai-je déjà une seule fois déçu? Tu ne m'as jamais déçu, non. Tu ne m'as jamais déçu. Mais ce cas est différent. C'est un cas spécial. Ma fille est impliquée. Donc, tout ce que je veux que tu fasses, c'est de bien la fortifier. Hein? J'ai besoin d'être rassuré. Hein? C'est tout ce dont j'ai besoin de toi, s'il te plaît. Que cela soit ainsi. Ta fille partira et rentrera en paix. Que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi. C'est un petit problème. Comparé au cas que j'ai déjà résolu dans ma vie. Ça, je ne m'en doute pas. Enlève tout obstacle devant elle, s'il te plaît. C'est pourquoi tu es ici. Enlève tout obstacle ou tout ce qui peut l'arrêter. Hein? C'est ma précieuse fille, s'il te plaît. Oh, gaffe-moi. Elle verra des choses. Voilà, c'est ce que je dis. Moi, Oko Sisi, je serai avec elle, en esprit, tout au long de son voyage. Voilà ce que je vais entendre. C'est maintenant que tu me parles. Mais qu'est-ce que tu me disais avant là? Hein? Tu le feras? Hein? J'espère que tu le feras. Ozo, ça va te coûter une fortune. Ce n'est pas gratuit, oh. Pourquoi tu parles comme ça? Est-ce que tu ne connais plus ton ami? C'est quoi l'argent? L'argent? Mais il n'y a aucun montant d'argent qu'on peut comparer avec ma fille. Je peux dépenser n'importe quel argent, crois-moi. Mais il s'agit de la vie de ma fille. Hein? Peu importe. Guan, s'il te plaît, consulte bien les esprits. Et dis-moi exactement tout ce qu'il exige, s'il te plaît. Allons-y. Pour les rituels de la fortification. Oh, pour la fortification. Ok, elle sera bientôt avec nous. Ozo. Oh,
Le Dieu que je sers est là avec moi. Maintenant, je vais te transmettre les pouvoirs du grand Okosisi. Tu iras et rentreras saine et sauve. Allô, c'est le Neke. Allô, c'est le Neke. Allô, c'est le Neke. Allô, c'est le Neke. Tiens ça. Hey. Qu'est-ce que c'est? Hein? De fin Zoko encore. Pourquoi tu me poursuis dans mon rêve? Pourquoi? Tu es mort. Hein? Mais tu me poursuis de gauche à droite dans mon rêve. Hein? Hein? Mais quel est ce genre de pression? Pression un peu partout. Hein? Je dis que Wama me menace. Les villageois aussi me menacent. Hein? Ma seule fille, ma précieuse fille, est sur le point d'embarquer dans une mission dangereuse. Hein? Et toutes ces pressions pour une seule personne. Et voilà maintenant. Ozo Konko me poursuit dans mon rêve de gauche à droite. Ça fait la troisième fois que tu me poursuis. La troisième fois. Je t'ai déjà vu trois bonnes fois dans mes rêves. Trois bonnes fois. Laisse-moi en paix. Hey! Quel est ce genre de pression? Je ne vais pas Ozo, permettre... Ozo, j'ai entendu des cris. J'espère que tout va bien. Dégage-toi d'ici. Désolé. Qui t'a appelé ici? Je pense sur des sujets sérieux. Tu viens me déconcentrer ici. Et pourtant, si un danger se pointe maintenant, tu ne feras rien. Il est là comme s'il peut faire quelque chose. Bêtise. Un bon à rien de garde. Hey! Non. Ceci sera une grande honte pour moi si je ne trouve pas une solution, mais je ne veux pas le permettre. À moins que je ne suis pas ce grand Odogo. Je ne veux pas laisser cette honte s'abattre sur moi. Une telle honte ne me trouvera pas. Non. Je ne veux pas me laisser faire. You are taking the wrong way. This is the way to the market square. The wrong way? How? This is not the way to the market square. Listen, I want us to take the shorter route. Mauvaise direction. C'est par là que nous devons aller. Un mauvais chemin, comment? Ceci n'est pas du tout le chemin vers là où nous allons.
Écoute, je veux que nous empruntions un chemin court. Non, ça c'est pas le bon chemin. Tu risques de te perdre. Ah, ne vous inquiétez pas, le garde. Vous allez voir où on va sortir. Venez, ne vous inquiétez pas. Je t'en prie, Ijoma. Ton père nous a prévenu de ne pas prendre un autre chemin, excepté celui vers là où nous allons. S'il vous plaît, les gardes, empruntons ce chemin, ok? Je vous en prie. Mais ce n'est pas juste. Et s'il le découvre, il nous tuera. Comment mon père va le découvrir? Vous allez lui dire? Vous allez lui dire? Écoutez-moi, les gardes, j'ai quelque chose pour vous ici. Tu as quelque chose pour nous? Oui. Ça, c'est 10 000. Ok, permettez-moi de voir Dike sur ce chemin, s'il vous plaît. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. S'il vous plaît. Hein? Non! Je n'en veux pas. Je ne peux pas désobéir à Ozo. Jamais! D'accord. Je vais ajouter ça, s'il vous plaît. Permettez-moi de le voir. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Juste ici, je vous en prie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On doit les prendre. Merci. Ok. Nous allons t'escorter. Et t'attendre. Quelque part, pas très loin. Mais, quoi que tu vas faire, fais-le vite. Je promets. Je n'ai pas prendre beaucoup de temps. Merci beaucoup. Merci. Faut faire vite, hein. Allons-y. Non, non, non. Tu tiens le pied comme ça. Hein? C'est comme ça que tu vas la tenir. D'accord? Et tu, hein? Ah, d'accord, tu vois, je vois. Comme ça. Okay. Mm-hmm. Allez-y, allez-y. Allez-y. C'est ça. Ah. Voilà l'homme en question. Ichi, qu'est-ce que ça veut dire? De qui parles-tu? Tu nous fais perdre le temps, tu le sais bien. Sors là, ici, maintenant. De qui parlez-vous? Garde, cherchez partout. Ichi, il a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Fouillez partout pour qui? Il n'y a personne ici. Ichi, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi, Ichi. Eutim. Ichi, s'il te plaît, peux-tu me parler? Eutim. Peux-tu me parler, s'il te plaît? Elle n'est pas dans cette parcelle. Je vous l'avais dit, il n'y a personne ici. Ichi, parle-moi, s'il te plaît, qu'est-ce qui ne va pas? Dike, pourquoi veux-tu amener la ruine et la destruction sur toi-même et sur le royaume entier? Cette demoiselle était censée aller à la terre des esprits pour retirer la malédiction qui a été jetée sur notre terre. Oh,
Dieu, ça devient de plus en plus confus. Qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce que quelqu'un peut me parler, s'il vous plaît? Ijoma a disparu. Quoi? Et tous les doigts sont pointés sur toi. Moi? Ichi. Même les gardes qui l'escortaient étaient tués et jetés dans la brousse qui se trouve être à côté non. de ta maison. Je vois que c'est une plaisanterie. Clairement, ça peut être mon Ijoma, non? Veux-tu donc prouver ton innocence? Nous partons à la résidence de Ozo Ezibo. C'est le seul moyen de prouver ton innocence. Non! Il n'ira nulle part. Nous sommes les nobles guerriers de ce royaume. L'encourages-tu de désobéir aux ordres de Ozo? Et quoi? Écoute, Ichi, je suis le chef guerrier de cette communauté. Si Ijoma, mon amour, portait disparu, Ozo Ezibo aurait dû nous informer. C'est notre devoir de protéger et de défendre cette terre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Garde. Pourquoi on perd assez de temps comme ça? Allons-y immédiatement. Pas un pas de plus. N'essaie même pas. Si tu oses, je vais tous vous découper en morceaux. Allez, allez-vous-en. Dike. Ekune Jiko. C'est ça, hein? Allons-nous-en. 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 Vite. Oui. Vite. Ijoma. Tell me, what do you mean? What are you saying? Why? That you cannot bring the person that kidnapped my daughter to this place? Non, dites-moi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que dites-vous? Quoi? Que vous ne pouvez pas emmener la personne qui a kidnappé ma fille ici? Hein? Ozo Ezibo. Dike et ses garçons étaient prêts pour la guerre avec les gardes que j'avais. Et je ne voulais pas qu'il y ait un bain de sang. Bain de sang? Tu dis? Quand la vie de ma fille et celle de mon peuple sont en danger. Oh, non, non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas et parfois je vois la malédiction. Pourquoi est-il que je suis entouré de gens incompétents? Pourquoi? Ozo Ezibo. Pour être sincère avec toi, le Dike que j'ai vu n'a pas l'air de quelqu'un qui aurait kidnappé ta fille, laquelle il veut vraiment épouser. Je veux dire, je remarquais tout cela par rapport à ses réactions. Honnêtement. Et c'est pourquoi il est le suspect numéro un. Ouais. Ozo. Assez! Assez pour toutes ces magouilles. Je veux que tu saches que j'irai jusqu'à la source de tout ceci. Oui. Must be responsible for this.
Pourquoi? Pourquoi? Qui serait responsable de ceci? Ijoma est porté disparu. Et quelqu'un est responsable de sa disparition. Je ne peux pas permettre ça. Je ne peux pas permettre ça. Ibekwe. Ike. Nous devons aller voir la prêtresse. La prêtresse? Es-tu sûr? Ouais. Nous devons aller voir la prêtresse immédiatement. Allons-y. Le puissant guerrier chez moi. Salut, prêtresse Adora. Tu as l'air agité. Qu'est-ce qui te trouble autant? J'ai prié au Dieu de cette terre d'arrêter la mort et tout ce qui détruisait cette terre, comme tu me l'avais demandé, et ils l'ont fait. Alors, quel est le problème? Oh, est-ce que Idioma est déjà parti dans la terre des esprits? C'est pour ça que je suis là. Où est-elle? Où? Et qui? Ojadike, Ibekwe, fouillez partout ici. Prêtresse Adora, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu appelles un chien à la fête, mais apprêtes un bâton pour le tuer? Pourquoi? Tu es venu dans mon hutte, un lieu sacré de Dieu. Pour m'embarrasser? Prêtresse, cette terre est déjà dans le pétrin et je ne veux ni toi ni quelqu'un d'autre d'y encore ajouter. Pourquoi tu as agi si imprudemment? Pourquoi? Aucune trace d'elle. Aucune trace d'elle? Je te demande pour la dernière fois. Qu'est-ce que j'étais venu faire ici? Ijoma est porté disparu. Et les gardes qui l'accompagnaient ont été tués. Alors je vais encore te poser la question. Où est Ijoma? Où est-elle? Et tu crois, par les dieux, que j'ai une mainmise là-dessus? C'est pourquoi je suis très choqué. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Pourquoi tu t'adresses à moi de cette façon? Pourquoi? Prêtresse, j'essaie de contrôler ma fureur. Ne me pousse pas. Ne le fais pas. Pourquoi tu l'as fait? Ok. Partez de mon hutte avant que ne fasse quelque chose de drastique. Je n'ai peur d'aucun adversaire. Je suis un ancien guerrier. Je ne crains pas le vilain visage du diable. Écoute, je ferai tout ce qu'il faut pour ramener la paix à mon peuple. Je n'ai peur de rien. Tu peux faire ton pire. Vraiment? Vraiment? Allons-en! Allons-en! Oh mon Dieu! Fuyons! Aïe! 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 Attendez! Attendez-moi! Aïe! 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 We'll be right back.
pardonnez, s'il vous plaît. Pardonnez, maîtresse. Comment? Ça fait 5 jours qu'elle est introuvable. Qu'est-ce que tu racontes? Salut, Né. Salut, Né. Quelles sont les nouvelles? On n'a pas vu Dike. Les guerriers sont à sa recherche. Ils cherchent partout dans les villages. Il doit être retrouvé. Ils doivent les retrouver. Très bien, Né. Dites-leur ça. Ne revenez pas ici sans Dike. Oui, mais oui, sont partis. Dike. Je ne suis pas ta femme. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Ben parce que tu es ma femme. Tu dois l'accepter. Je ne suis pas mariée à toi. Je préfère mourir que de le faire. Bien. Je crois que c'est le moment de te dire que j'ai déjà payé la dot chez tes parents. Ça, c'est un grand mensonge. Tu mens! Je ne mens pas. Et tu vas le découvrir très très bientôt. Est-ce que tu sais que la hutte dans laquelle tu vis actuellement était construite par moi pour tes parents? Ils ont demandé que je construise 3 huttes. Oui, comme une partie de ta dot. Que je leur ai donnée. Ton père a une ferme de chèvres et de moutons que j'ai construite pour lui. Je lui ai donné 50 moutons et 50 chèvres pour sa ferme. J'ai donné à ton père de l'argent, beaucoup d'argent, pour prendre soin de sa demande de devenir un leader dans votre royaume. Très bientôt, très très bientôt, le roi actuel, le roi Omegago, va déclarer ton père le premier roi de Omodike. Je lui ai donné de l'argent pour s'occuper de ça. Et c'est une partie de ta dot. Attends, tu veux me dire que mon père a fait demander tout ça juste pour que tu m'épouses? Oui, et tu le découvriras toi aussi. Maintenant, ton père accepte l'idée que tu ailles sur la terre des esprits pour mourir. Pour mourir. Si cela arrive, que se passera-t-il avec mon investissement sur toi? Que se passera-t-il? Dis-moi. Mais les dieux,
Est-ce que c'est vrai? Et je l'avais supplié. J'avais supplié ton père. Et qu'ai-je obtenu? Il a refusé. Il a refusé. Alors, j'ai eu ce plan. Et évidemment, ça marchait parfaitement. Parfaitement. Osweziebo, tu insistes que ma femme doit aller sur la terre des esprits. Comment peux-tu dire une chose pareille? Est-ce que je suis fou? Comment puis-je envoyer ma propre fille, ma précieuse fille, dans le monde des esprits? Ce n'est pas moi, ce sont les dieux qui l'ont choisi. Oui, les dieux l'ont choisi et je n'ai rien à faire dans cette situation. Je suis impuissant. On dit qu'elle est la seule qui peut aller changer la malédiction qui est sur cette communauté à une bénédiction. Hein? Ce n'est pas moi. Comment puis-je envoyer ma précieuse fille dans le monde des esprits? Ce n'est pas ma décision. Je ne peux pas l'envoyer là-bas. Mais il faut y penser. Osweziebo, quoi qu'il en soit, ce qui m'énerve est que ma femme doit aller sur la terre des esprits. Et je ne voudrais que rien du tout n'arrive à ma femme. Et pour cela, je dois l'envoyer chez Okosisi pour la fortifier. Okosisi? Oui, Okosisi. Okosisi est le seul Dibia que je peux croire pour protéger ma femme. Ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ça va. Bien que ma fille commence par à rencontrer la représentante des femmes pour la fortification. Non! Que savent-elles? Tu dois envoyer Okosisi. Je vais le faire. Comme c'est ce que tu veux. Pas de problème. Okosisi peut être cher, mais je suis plus confortable avec lui. Voilà. Pour le paiement. Et où? Hé! Hey. Ega, calé quoi? Ça va. Je le ferai. Oma, ça va. Mon cher beau. Mobo. Attends, Mobo. Tu ne peux pas partir comme ça. Oui. Je pense que tout est clair maintenant. Et chacun est tranquille. Je sais maintenant que tu t'es calmé. Tu t'es calmé et ça va, je suis content aussi. Disons, rafraîchis-moi. Laisse-moi te chercher quelque chose à prendre, hein? Osweziebo, j'ai beaucoup de chats à fouetter. Prenez soin de ma femme. Ah. Okwario, watana kana na rugio. Anazwana kakana no Osweezi. Je dois envoyer une partie à Okosisi. Et tout cela, c'est de l'argent. Voilà de l'argent. Hey! Je vais lui donner une partie et je vais garder le reste. Mon ami, je suis venu te dire ceci. Sache que dans peu de temps, Osweziebo fera appel à toi pour procéder à la fortification de sa fille pour le voyage sur la terre des esprits. Je ne veux pas de ça. Au Okosisi, j'ai donné à Osweziebo un sac d'argent. Prends-le. Ça t'appartient. Et si tu en veux encore plus, je t'en enverrai. Bien plus que tu ne le penses. Je sais que tu es mon ami. Et je sais que tu ne me laisseras pas tomber. Ouoma, mon ami, je ne te comprends pas. Tu sais que je donnerai ma parole à Osweziebo. Alors, si quelque chose tournait mal... Okosisi, tu n'as pas du tout à t'en faire. Ce n'est pas du tout la première fois que tu me rends un service ou que tu traites un problème pour moi. Ce n'est pas du tout la première fois. Okosisi, la fille en question ne devrait pas être permise d'aller sur la terre des esprits. Je sais que tu peux le faire pour moi. Mais tu sais également que... Donne-lui 3 jours du marché. Et ainsi, j'en aurai fini avec mes plans. Woman,
Tu es mon ami. Et tu peux compter sur moi. Qui est le meilleur? Je le ferai pour toi. Tu es mon meilleur ami. Je sais que tu peux le faire. Je le ferai pour toi. Au crucifix, les yeux des dieux. Ma femme. Je ne comprends pas. Tu veux dire qu'il n'y avait pas de fortifications? Fortifications? Pour quelle raison? Pourquoi es-tu très méchant? Donc j'allais partir à la guerre des esprits sans fortifications. Et si alors je mourrais? Je n'avais pas l'intention de te laisser partir depuis le début. Mais ce n'est pas bien. Ma terre est en train de vivre une malédiction. Et je dois aller là-bas pour la délivrer. Pourquoi es-tu en train de m'intercaler? Pourquoi? Pourquoi ne veux-tu pas que ma terre soit délivrée? Tu n'appartiens pas à ce royaume. Tu n'appartiens pas au royaume de Umunike. Tu dois rester ici. Et c'est pourquoi je t'ai amené ici. En me kidnappant comme ça? C'est de la faute de ton père, pas la mienne. Est-ce que mon père t'a dit de me kidnapper? Sais-tu comment est-ce que mes parents s'inquiètent maintenant? Pourquoi es-tu si méchant? Pourquoi? Connais-tu seulement la méchanceté que ton père a montré envers moi? Est-ce que tu sais seulement combien j'ai investi sur toi ainsi que sur ta famille? Le sais-tu? Peu importe ce que tu as dépensé. Dis-moi, t'avais-tu forcé de le faire? Dis-moi. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je veux rentrer tu chez moi. Tu n'iras nulle part. Tu vas rester ici. Tu m'appartiens. Je suis marié à toi. Et personne ne peut me priver de toi. Et jusqu'à ce que tu changes d'avis, tu ne quitteras jamais ce lieu. Crois-moi. Soma, allez, sors de l'eau. J'arrive. Iruka, qu'est-ce qu'il y a? Je m'en fous de là où on peut l'amener. Enfin, je n'ai même pas pitié d'elle ni de son père. Mais comment tu peux dire ce genre de choses? Salut. Ok, salut. Salut. Vous allez bien? Oui, ça va. Ma chère, qui m'avait ravi, mon Dike. Et mon père est mort dans son sommeil après les repas qu'il a avec son père. Qu'est-ce que tu en diras? Rien à dire si tu me demandes. À ta place, Ijoma, ma mère amie. Est-ce de sa faute? Et si ton père est mort après le repas qu'il a eu avec Izibo, c'est ce qui le rend meurtrier? Non. Ceci peut arriver à tout le monde. Oh. Mais salut, Talion. Ah, salut. Ah, désolé. Il paraît que tu es une amie de Ijoma. Oui, c'est moi, Iruka, sa mère amie. Ah, je vois. Iruka, est-ce que tu as une idée du sort de ton ami Ijoma? Pas
Pas du tout. Je n'étais pas avec elle quand elle a disparu. Ne vous en faites pas pour ça. Rien ne va arriver. Nous allons la retrouver. Zeki, s'il te plaît, fais tout ce que tu peux pour retrouver ma mère, Ami. Ça va. Je ferai de mon mieux. Nous ferons de notre mieux pour la ramener. D'accord? Ok. Bye. Maître, le repas est prêt. Oui, maître. Donne-le-moi. Bien. Bien, ma chère. La nourriture est prête. Mange. Mange et aime. Aime-moi encore plus. Adjali. Maître. Maître. Bien. Amène ça dans la cage pour ma femme. Bien, maître. Bien. Mange, ma chère. Mange et aime Uoma. Mange, ma chère. Je vais lui donner à manger. Puis-je voir la nourriture? Oui. Ta nourriture, il est temps de manger. Ok, attends, laisse-moi t'aider.
Bien. Mange. Mange, ma femme, afin de pouvoir récupérer tes forces. Tu as été affamé pendant les 3 jours du marché passé. Mange. Tu ne sais pas ce que ça fait à une personne quand elle est kidnappée, n'est-ce pas? Elle est terrorisée. Elle est confuse. Elle est incertaine. Mais tu es entre des bonnes mains. Entre les bonnes mains? Et je suis enfermée comme ça? Mes parents souffrent à cause de moi. De quelles bonnes mains parles-tu? C'est bon. Non, ce n'est pas ça, non. Ce n'est pas bon. S'il te plaît, je te supplie au nom des dieux que tu sers. Laisse-moi partir. S'il te plaît. Allez où? Tu m'appartiens. Ton sang appartient à ces terres. Où veux-tu aller donc? Ok, si j'accepte de t'épouser, voudras-tu que j'aille voir mes parents? Je veux que tu saches que je suis plus important, s'il te plaît. Cela ne sera pas facile. Je pourrais peut-être faire venir ton père ici. Excuse-moi? Suis-je en prison ici? C'est comme ça qu'on s'est marié. Laisse-moi partir à la terre des esprits pour sauver mon royaume. Comme ça, je veux revenir à toi. Et puis, je vais t'épouser. Non! Non, tu n'iras nulle part. Tant que la dent pourrie n'est pas extraite, la bouche doit apprendre à mâcher avec prudence. S'il te plaît. Tu m'appartiens. S'il te plaît. Tu n'iras nulle part. Écoute, va derrière et apporte-moi le gros calebas. Ok, merci. Voilà ce que tu m'avais demandé.
Chai. Que veut dire cette disparition soudaine? Hein? D'accord. Nous devons nous éparpiller. Nous devons nous éparpiller dans cette recherche. Ok? Comment alors? Suivant une voie par nous tous ne va pas nous aider. Nous devons nous éparpiller afin d'atteindre les sous endroits. Ojarike. Dike. Suis là-bas. Cherche dans cet endroit. Très bien. Ibekwe. Tu dois suivre. Tu vois le jeune homme là? As-tu une fois vu ce visage? Aisez-moi. Suis-le. Hein? Ne le quitte pas des yeux. Il te conduira quelque part. Aisez-moi, je te croyais mort. Je lui suis-le. Maintenant. Allons-y. Vite. Aisez-moi. Tu as vu ça? Il a dépassé notre limite. Oui. Il a dépassé Moudike. Il va vers Aouda. Ce qui veut dire qu'il n'est même pas d'ici. Que faire alors? Devons-nous les suivre? Oui, est-ce qu'on nous a dit de le suivre? Allons-y, allons-y. Suivons-le avant qu'il ne disparaisse. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, maître. Tu vois l'homme là? Oui, je le vois. Il s'appelle Ouma. Ouma, oui. Le riche commerçant. Oui, oui, oui. C'est à lui qu'Ozon Zigbo demande d'épouser sa fille, Ijoma. Oui, je le reconnais. Je lui ai donné le message. Elle a dit qu'elle viendra vous rendre visite dans 2 jours. Bien. Tu peux retourner à ton poste. Merci, maître. Thank you.
Qu'est-ce que ceci veut dire? Attends, attendons pour voir. Ah ah! Je t'ai dit qu'il n'aurait pas été déjà prêt. Mon mari. Oui. Idioma, ouais. Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Qu'est-ce qui se passe? Mon mari. Oui, merci. Ça, c'est très bon. Ah, très très bon pour ma femme. Attends. Non, passons à l'attaque. Allons-y. Laisse-moi t'en donner. De l'eau. Merci. C'est très intéressant. Bouge. Allez, devant. Devant. Allez. Non. Devant. Allez. À terre. Couchez pas à terre. Que veut dire ceci? Qui êtes-vous? Je suis Okadike, le chef guerrier du royaume du Nudike. Donc c'est toi. C'est toi qui as kidnappé Ijoma. Ça fait déjà 7 semaines. Hein? Sais-tu le dégât que tu as causé à ma terre? Le sais-tu? Je n'ai rien évoqué. Elle est ma femme. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Si tu sais ce qu'il y a de mieux pour toi, va-t'en maintenant. Dike, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il est mon mari. Tu dis quoi? Pourquoi tu fais ça? Ijoma, est-ce que tu vas bien? Quel est ton problème? C'est à moi de te le demander. Laisse-t-y avant que je... Laisse-le tranquille. Ijoma, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Laisse-moi tranquille. Dike, partons d'ici immédiatement. Allez, bougeons d'ici. Allez, Ijoma, qu'est-ce qu'il t'a fait? On y va. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Laisse-moi tranquille. Devant. Allons-y.
Adora. Pourquoi tu veux amener la honte de la dynastie de prêtresses? Pourquoi tu as laissé tes émotions et tes intérêts dominer sur tes responsabilités? Toute la dynastie de prêtresses et moi, ta mère incluse, nous ne sommes pas contentes de toi. Tu es censé administrer la justice et non la destruction. Encore un acte d'irresponsabilité venant de toi. Nous n'aurons plus une autre option que celle de te ramener dans le monde des invisibles. Recule d'un pas, Adora. Recule d'un pas, Adora. Recule d'un pas. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi êtes-vous ici? Prêtresse, on était en train de vous suivre. Oui, ma prêtresse, on t'est suivi. On ne pouvait pas te laisser seule. Vous savez que vous êtes comme une mère pour nous. Amène-la. Où est Ozo? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Que faites-vous? Quoi? Regarde ma fille. Qu'est-ce que ceci veut dire? Mais qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de choses se sont passées. Et beaucoup de choses se passent encore. Qu'est-ce que cela veut dire? Dike, qu'est-ce qui s'est passé? Où as-tu trouvé Idioma, la fille de Ozo et Zibo? Nous l'avons vue. Chez cet homme. Hey! N'importe où, n'importe comment, je m'en fous. Ce que je dis est ceci. Ma précieuse fille doit être libérée. Peu importe. En fait, libère-la maintenant. Ici, c'est chez moi. Que personne ne vienne m'insulter chez moi. Je dis, laissez-les en paix. Dike, laisse-la. Vous ne pouvez pas venir m'insulter chez moi, dans ma maison. Papa! Laisse pas cet homme partir comme ça, s'il te plaît, papa. Il est venu de la maison de mon mari et quand on s'en nous déranger, c'est pas comme ça. Ferme-la. Imaginez. Qu'est-ce que tu racontes? As-tu perdu la tête, Idioma? Mon peuple. Il y a beaucoup de conspirations dans cette communauté. Oh. Ouais. Hey. Beaucoup de complots. La femme d'Ozo a comploté avec cet homme pour kidnapper Idioma. Cette femme a pris de l'argent
de cet homme à travers un de ses gardes. Celui-ci. Hey. Voici votre homme. Deux gardes ont été envoyés pour kidnapper Ijoma. Hmm. Et ils ont tué deux gardes, deux de nos chers gardes, dans le processus. Hey, mais c'est vraiment un sacrilège. C'est pas possible. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est elle qui m'avait envoyé aller prendre de l'argent auprès de mon maître Ouoma. Hey! Esclave! Dike, tu es abomination. Et crois-moi, tu vas regretter tout ce que tu viens de dire. Ce ne sera pas le cas. Beaucoup de secrets vont être révélés. C'est vrai ça? Allez, réponds. Réponds. Mais réponds, non. Vas-y, réponds. Les deux se sont arrangés pour la kidnapper. Ils ont fait le complot ensemble. Ouais. Salut tout le monde, salut. Je dois dire quelque chose à tout le monde. Tais-toi et ne dis rien du tout. S'il vous plaît. Tais-toi. Je dis tais-toi et ne dis rien du tout. L'as-tu kidnappé ou pas? Je ne l'ai pas kidnappé. Elle est ma femme. Ta femme? Quand l'as-tu épousée? Demandez à son père, demandez à sa mère. J'ai payé sa dot. C'est ça. Spécial. Un arrangement spécial. Non. Tu dois être là. Non. Tu dois être là. Non. En tant que qui? Oui. En tant que qui? Oui, écoute. Ta fille était censée aller dans un voyage pour guérir le royaume entier. C'est ma fille. De quoi es-tu en train de parler? Étais-tu au courant du kidnapping ou pas? Réponds. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Comment elle doit aller à cette mission? On ne doit plus l'épouser. À ce qui me concerne, la femme de Ozo est libre. Et ce criminel. Laissez mon mari tranquille, laissez-le. Et les criminels seront enlevés d'ici. Ozo et Ziebo. Prêtresse, je t'écoute. Qu'est-ce que tu avais fait au pauvre Ozo Konko? Tu sais déjà qu'il est mort. Il est mort. Même s'il est mort d'une mort étrange, mais il a été bien enterré. Il a été enterré avec tous les honneurs. Hein? Vraiment? Oui. C'est vrai ça? Quoi quoi, Yonfuma? Oui. Oui. Ah! Pitié. Oh, Guiné. Maman! Papa! Qu'est-ce qu'il y a? Prêtresse, je vais confesser. Mon pupille, oui, je vais confesser. Confesse. Fais-le vite. Confesse. Hey. C'est mon meilleur ami. C'est un homme riche que vous voyez ici. Nous avons tous les deux tué. Pas besoin de le cacher. Il est temps de dire la vérité. Nous deux, nous avons tué
Osong Konko. Hey il m'a donné du poison que j'ai utilisé pour le tuer. C'est un homme très riche. Il m'a donné du poison. Bien arrangé parce que c'est un poison très cher. On l'a utilisé pour tuer Okonkwa. Nous l'avons utilisé pour tuer Osong Konko. Oui, c'est un homme riche. Cet homme est très très riche. Et il m'a donné de l'argent pour acheter ma terre agricole. Oui, même mon bétail de moutons et de chèvres. C'est lui qui m'a donné de l'argent. Vous pouvez remarquer que je vis bien. C'est lui qui m'aide. Hein? Cet homme m'aide énormément. Et il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il n'a. Regardez ma case. Je l'ai construit, je l'ai aménagé. En fait, je planifie de faire plus. Cet homme est très riche. Mais son intérêt est ma fille. Son intérêt, c'est ma fille. C'est ça son intérêt. Et mon intérêt, c'est son argent. Donc, il m'aide avec de l'argent. Et de mon côté, c'est de lui donner ma fille. Donc, nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble. Woma est un homme riche. C'est pour cette raison que tu avais tué ton oiseau au Congo, n'est-ce pas? Je suis désolée. Je vous en prie, pardonnez-moi. J'avais rêvé Woma ici présent une potion pour qu'il donne à ma fille. Agualomgi. Parce que je ne voulais pas qu'elle se rende à la terre des esprits. Je ne voulais pas que ma fille meure. Je vous en prie, pardonnez-moi. Hélène Belli. Par le Dieu, j'ordonne que Oso Esibo doit être puni à mort. Pour avoir tué les pauvres Osong Konko. J'ordonne encore ici que Roma doit être mise à mort pour avoir conspiré et tué les pauvres Osong Konko et pour avoir aussi tué des grands gardes de ce royaume. Ils doivent être mis à mort. Et toi, la femme de Ozo Izibo, tu seras puni tous les restants de ta vie. Silence, fermez tous vos bouches. Dis que tu seras couronné roi dans le prochain Eke Make Day. Désormais, la paix régnera dans la terre des Omodike. Mes salutations, mon roi. Salut, la grande prêtresse de notre communauté. Comment tu as passé la nuit? Ma nuit s'est passée à merveille. C'est bien. Bien, je suis là pour te remercier pour avoir dit la vérité et par conséquent sauver notre terre immoniquée de la condamnation. Tu vois, je ne m'attendais jamais à ça, considérant ce qui s'est passé entre nous. J'ai rencontré la mère de toutes les prêtresses, ma mère. J'ai juste obéi à ses instructions en reculant d'un pas. Je m'étais laissé emporter par mes émotions, mes intérêts bidons, mes gloires aux dieux qui m'ont donné cette opportunité d'assumer une responsabilité comme il faut. Merci aux dieux de nos ancêtres. Merci, tu as fait ce qui était juste. Qui
Que le Dieu soit loué. Tu sais, je n'ai jamais su que j'en arriverais là et promouvoir la justice. Peu importe. Je veux que tu rencontres quelqu'un. Quelqu'un? Oui, quelqu'un. Qui est la personne? Elle est celle qui t'est destinée. Elle était hypnotisée par ces malins de Woma. Mais les dieux l'ont fait retrouver ses sens. S'il te plaît, accepte-la. Ijama, viens. Pour apaiser l'esprit des Zelous, afin de sauver cette terre de cette calamité. Ok, un prix à payer. Ok, c'est bien. Maintenant, c'est quoi ce prix à payer? Combien de chèvres? Combien d'agneaux? C'est combien le montant? Je suis prêt à tout offrir. Les sangs. On doit verser les sangs humains pour apaiser l'esprit des Zelous. Et je suis prête à prendre cette responsabilité. Écoute, tu ne peux pas faire ça, d'accord? Tu ne peux pas faire ça, tu es notre prêtresse. C'est terre de Monique a besoin de toi. Tu ne peux pas faire ça. N'y a-t-il pas un autre moyen? S'il te plaît. Je suis la cause de cette calamité. De ce fait, je suis prête à sacrifier ma vie pour cela. Non, 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 non. Non, non, écoute, prêtresse. Monique, permets-lui. Tel qu'elle a dit, on demande le sang humain pour apaiser l'esprit de Zeus, afin que la paix retourne dans cette terre. Écoute, cette prêtresse est importante pour notre terre. Elle nous est chère, on ne peut pas se permettre de la perdre, s'il te plaît. Elle avait réveillé l'esprit de Zeus, et elle doit payer pour ça. C'est ça en fait la culture. Ô roi, vis éternellement. Laisse que le Dieu vous bénisse.